Bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocain. Alors ce soir, nous allons parler de la chirurgie émotionnelle, c'est-à-dire la psychothérapie. Et puis on va parler d'un problème que je touche chez les patients. C'est une grosse erreur que les patients puissent commettre. C'est quoi en fait? C'est solliciter un thérapeute qui n'est pas médecin, qui n'est pas psychiatre, qui n'est pas un professionnel de santé, psychico-mental, et qui risque d'aggraver l'état des patients. D'accord ? Donc je parle de quelque chose de très concret. Okay. Bonsoir, Maître Hanan. Alors là, je suis en train de parler de quelque chose de très concret. Bien loin de la théorie, je suis en train de citer des problèmes de santé que je trouve, que je touche dans ma pratique quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent de ces thérapeutes. Okay. Bonsoir, Lala Touria. Alors, le psychothérapeute, c'est-à-dire la personne qui va te soigner, il va prendre soin de toi, qui va essayer de te rendre un service. Bonsoir, Monsieur Karim. Qui va essayer de te rendre un grand service, de t'aider à guérir de tes blessures, de tes traumatismes, de tes faiblesses, de beaucoup de choses, peut te contaminer. Alors, on va citer des cas réels. Très bien. Alors, par quoi est-ce que je peux être contaminée? Premièrement, le racisme. Voilà ce que je déteste, moi, chez les gens. Si tu es raciste, tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un. D'accord? On n'a pas le droit d'être raciste quand on veut traiter les gens. Pourquoi? Parce que si tu veux traiter quelqu'un, par exemple, admettons que tu es catholique, que tu es chrétien, que tu es musulman, que tu es juif, imagine si un jour tu reçois un patient qui n'est pas de la même religion que toi, qui n'a pas les mêmes croyances que toi. Donc, comment peux-tu gérer tes émotions? Tu vas être faible, ok? Si tu es raciste, ça veut dire que tu as un problème de confiance en soi. Il faut admettre, hein, tu es trop faible. Tu es malade. Donc les malades ne doivent pas soigner les malades. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous avez un autre avis? Moi j'aime bien le désaccord. Ça ne change rien, c'est pas méchant d'être en désaccord. Alors, on va s'arrêter un peu pour écouter, pour... voilà, à vous la parole. Oui, tout à fait d'accord, d'accord. S'il te plaît, annule mon nom, tes patients en guise de racisme. Annuler mon nom, tes patients en guise de racisme. Monsieur Souleymane, je n'ai pas bien compris, si vous pouvez développer ce que vous dites, parce que je n'ai pas compris. Très bien, alors, moi, je peux... je vous assure que j'ai vu des patients qui ont été suivis par des thérapeutes qui empiètent sur le domaine de la santé psychique et mentale et qui ont des problèmes de racisme. Par exemple, il te dit, excusez-moi, je suis très franche, hein, par exemple, il y a des musulmans qui n'aiment pas les juifs, il y a des musulmans qui n'aiment pas les chrétiens, il y a des musulmans qui n'aiment pas les catholiques. Déjà, moi, je suis une musulmane et j'ai fait des recherches et je sais très bien, et j'aimerais rassurer tout le monde, tous les non-musulmans, que dans notre religion, l'islam, il est strictement interdit d'être raciste. D'accord ? Donc si jamais vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit que je suis musulman et j'aime pas les autres qui sont différents, croyez-moi, vous devez l'arrêter sur le champ et lui dire, il y a une doctoresse musulmane qui nous a dit qu'en islam, c'est interdit d'être raciste. Point à la ligne, hein, pour faire la parenthèse. Également, nous avons un problème. Par exemple, il y a des hommes qui... Moi, j'ai déjà discuté avec un coach. Il m'a dit que lui, il est divorcé. Il a dit que pour lui, il est strictement impossible de se marier, d'épouser une femme divorcée. Alors là, on va provoquer... on va déclencher un très long débat et beaucoup de débats, hein, chez vous. Imaginez un homme, coach, qui veut traiter des gens, qui veut les aider à retrouver le bien-être et qui dit qu'il est impossible pour lui de penser à épouser une femme divorcée. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce monsieur souffre. On est bien d'accord, il y a de la souffrance.
il n'a pas encore traité ses traumatismes, il n'a pas encore bien traité les cicatrices et les séquelles laissées par ce divorce. Okay. Dans ce cas-là, celui-là a besoin d'un thérapeute, voilà, d'un psychiatre. Bah oui, il a besoin de se faire traiter. Buenas noches, Dr. Asma. Buenas noches, Mohamed. J'arrive pas encore à bien parler en espagnol. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Alors, il a le droit, hein, le coach a le droit de vouloir ou de ne pas vouloir épouser une femme divorcée. D'accord? Il est libre, ok. Mais si tu es libre, ne me casse pas la tête avec ce que tu as dans le cœur et ce que tu as dans le crâne. Alors là, on va ouvrir une grande parenthèse. C'est la membrane interpersonnelle. Si tu es un thérapeute et tu es incapable d'être sélectif ou tu as une membrane interpersonnelle qui est très perméable, c'est-à-dire que le patient est en train de te parler et toi, tu es en train de lui raconter ton histoire et tes problèmes. Tu es malade, hein? Merci, docteur. Je vous en prie, Rachid. Alors, ça existe, hein? Moi, je l'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je n'étais pas en train de passer du temps sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas influenceuse. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Je suis médecin, je faisais de la recherche. J'ai remarqué que les coachs, quand ils faisaient des lives, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de leurs histoires. Ok, c'est bien de... C'est-à-dire, vous êtes arrivé au stade miroir où vous laissez les gens se voir à travers vous. Ok, ça, c'est merveilleux. Mais gardez vos problèmes pour vous. Il ne faut pas salir l'esprit des gens. Moi, par exemple, quand je pars chez un vrai psychologue, après avoir été vu par un psychiatre, je veux, par exemple, faire une séance d'hypnose ou des séances d'hypnose pour nettoyer mon cœur et mon esprit, pour nettoyer mon inconscient de toutes les maladies que j'ai vues dans mon cabinet, par exemple, hein, pour faire comme une sorte de mise à jour, si vous voulez. Alors, moi, je veux surtout pas entendre des problèmes. Vous voyez, parce que moi, dans ma pratique quotidienne, j'absorbe, je reçois, j'admets, j'arrache, j'aspire tous les problèmes des patients. Donc, si je pars chez un psychiatre ou un psychothérapeute et qu'il me casse la tête avec ses problèmes, je peux m'éclater. Je peux même crier. Je peux me dire, mon Dieu, mais je peux même pas supporter mes problèmes. Pourquoi vous me cassez la tête avec vos problèmes? D'accord? Quand on voit des coachs pleurer durant les lives, mon Dieu, mais ça, c'est un signe comme quoi vous êtes vraiment saturé. Mais c'est normal d'être saturé. Nous, les médecins, avec un esprit sportif, on vous dit qu'on est saturé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sollicite des psychiatres et des psychothérapeutes et des cliniciens psychologues. Pourquoi? Pour nous aider à nettoyer notre cœur, notre cerveau. Et on le fait. On apprend, à chaque fois, on apprend de nouvelles techniques pour pouvoir se libérer de toute cette énergie négative parce qu'on ne peut pas continuer à vivre, on ne peut pas survivre. Hein. Dans certains domaines, par exemple, comme la médecine, comme l'infirmerie, comme la gendarmerie également, mes salutations à tous les gendarmes, et la police également. Alors, ces professions sont des professions très stressantes, d'accord? Nous, on est bien conscients de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas honte de vous dire qu'on fait des soins, pourquoi? Pour nous alléger, d'accord? C'est important. Ça me fait ni froid ni chaud. Ça me dérange pas d'être critiquée. Ça me dérange pas que les gens me disent vous êtes folle. Pourquoi? Parce que je sais très bien que je suis médecin et que même les psychiatres vont chez des psychologues pour se débarrasser de vos problèmes. D'accord? Très bien. Je vais lire vos commentaires. Je pense qu'il y a des commentaires ici. Mais le fait de faire circuler son point de vue peut avoir des conséquences néfastes. Bien sûr, madame. Parce que imaginons ce coach qui n'apprécie pas la femme divorcée. Imaginons si un jour, elle voit une femme divorcée et cette femme a un problème. Elle a honte de dire que je suis divorcée. Il va lui poser la question. Madame, est-ce que vous êtes mariée? Elle va dire non, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Parce que la médecine, c'est de la psychiatrie, c'est de la chirurgie émotionnelle. Quand tu veux opérer, tu fais très attention, hein?
On ne fait pas une incision, on prend pas un couteau ou une lame et on opère directement. Non. On localise, on fait beaucoup de choses, on fait un bilan d'extension. Des fois, si tu as une tumeur, tu fais le bilan d'extension, tu essayes de savoir est-ce que c'est résécable ou pas, c'est-à-dire est-ce que tu peux l'enlever ou pas. On ne fait pas, par exemple, il y a des gens qui croient qu'on fait la TDM, on trouve la tumeur et on l'opère. Non, 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 non. Des fois, on a besoin de faire de la chimiothérapie avant l'acte opératoire. Par exemple, si tu as un plastron, qui est un peu différent de l'appendicite. Il faut respecter le plastron. On demande l'antibiothérapie en intraveineuse. On surveille le patient. Il ne faut pas opérer sur le champ parce que vous allez traumatiser, vous allez toucher plusieurs structures abdominales qui sont là pour aider. OK ? Pour traiter. Nous avons des petites structures ou organes immunitaires dans l'abdomen qui s'enroule tout autour du foyer infectieux pour le sauver, pour l'aider. Donc moi, si j'opère, je peux traumatiser, je peux léser plusieurs structures. Donc, toi, par exemple, tu es coach, tu n'as pas fait la médecine, ok ? Tu poses une question à une dame. Madame, est-ce que vous êtes mariée ? Supposons que vous avez ce problème, c'est-à-dire que vous êtes contre la femme divorcée. Ok, c'est votre droit, c'est votre liberté, je comprends, je respecte. Mais vous devez garder ça dans votre cœur. Vous ne devez pas casser la tête des gens. C'est-à-dire que si tu reçois une patiente dans ton cabinet et que cette patiente est divorcée, quand vous allez lui poser la question, madame, quelle est votre situation familiale, elle va répondre par « je suis célibataire ». Pourquoi ? Parce qu'elle a honte. Très bien. En médecine, en patiente, on est là pour traiter, on est là, on n'est pas là pour se précipiter. On ne veut pas une solution rapide, on veut une solution sage. C'est-à-dire que quand la dame me dit « je suis célibataire », moi je n'ai aucune preuve. Donc, dans ma tête, il n'y a pas le feu. C'est-à-dire, je prends mon temps parce que je sais très bien que dans la deuxième séance, peut-être que la femme va me dire « docteur, je suis vraiment désolée ». Parce que moi, je vois ça dans mon cabinet. On fait la consultation, il y a un contrôle qui est gratuit. Dans quelques jours, ou lendemain, ou même la journée, même si c'est urgent, quand la patiente vient me parler, elle me dit « Docteur, s'il vous plaît, je suis désolée, l'autre fois, je vous ai menti parce que j'avais honte. Mais une fois que je vous ai parlé et tout, j'ai remarqué que vous êtes très, très émancipée. Et moi, j'avais peur d'être jugée de votre part. Voilà pourquoi je vous ai menti. Je suis vraiment désolée. » Merci. D'accord ? Moi, je vois ça tous les jours. Des patients qui viennent me dire « Docteur, je suis vraiment désolée. La première fois, j'avais peur de votre réaction parce qu'elle croit que je vais la juger. » Alors que nous, en médecine, il est strictement interdit de juger les gens. Même les gens qui font de l'inceste, on n'a pas le droit de leur dire « Oh mon Dieu, mais c'est impossible. » Non, on n'a pas le droit. Même la mimique, il faut faire très attention à la mimique, à l'expression faciale, pour ne pas faire une expression faciale qui montre comme quoi on a été étonné. Il ne faut même pas exprimer son étonnement, ok ? C'est de la chirurgie, hein. Même si je suis médecin généraliste, je dois faire très attention à... vous savez, il y a y a un cours en médecine qui s'appelle... How to break bad news. C'est-à-dire que quand tu veux annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, à un patient, il faut le respecter. Il faut aller très doucement. S'il ne veut pas savoir qu'est-ce qu'il a, il faut aller très doucement. OK ? Parce qu'on s'adresse à un cœur, on s'adresse à une histoire, on s'adresse à un passé, on s'adresse à des gens qui sont très sensibles. On doit respecter les gens sensibles. D'accord ? Donc, revenons à notre exemple. Un coach qui a un problème avec les femmes divorcées ne doit pas contaminer mon patient. Parce que la patiente peut très bien être divorcée et avoir honte de le dire, et elle peut très bien te dire « je suis célibataire ». Et vous, puisque vous n'avez jamais fait la médecine, vous n'avez jamais appris à comment parler avec un patient, vous ne connaissez pas les schizophrènes, vous ne connaissez pas beaucoup de choses, vous ne connaissez même pas pourquoi les gens recourent au mensonge, vous allez vous dire « ah, tant mieux, elle est célibataire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas divorcée. C'est-à-dire que je peux parler tranquillement ». Et vous pouvez même, parce que quand vous n'avez pas de confiance en soi assez développée, vous allez même utiliser ça pour renforcer la confiance en soi de la patiente
Et vous allez lui dire, ah, bravo madame, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un où vous avez beaucoup de qualités. La première qualité, c'est que vous êtes célibataire. Par exemple, la première qualité, vous êtes toujours vierge. Imagine si la dame n'est pas vierge, n'est pas célibataire et il est divorcé. Elle vous a menti parce qu'elle avait honte, elle a le droit d'avoir honte. Elle est libre, hein. Le patient est libre d'avoir tous les sentiments qu'il veut. On est là pour traiter. On n'a pas d'avis. On n'a pas d'opinion. Et vous, vous êtes en train de discuter, d'aborder des sujets qui ne doivent même pas être abordés durant une consultation. Je ne sais pas si vous avez touché ce que je veux dire, mais je vais laisser ce live enregistré sur ma chaîne YouTube, Dr Asma Amdouni. Et puis, je pense que c'est important de faire très attention aux détails. Très bien. Alors, on a dit, il ne faut pas contaminer son patient par le racisme, par les opinions comme ça, hein, si vous avez quelque chose pour le garder pour vous-même. Alors, je vais lire vos commentaires et je vais arrêter les lives. Je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup d'engagement demain matin. Je ne connais rien sur la médecine, Suleyman. Merci, c'est gentil. Je vous... chère madame. Alors, madame Asma, elle a un bon corps. Merci beaucoup, vous aussi. L'avocature est aussi une profession très stressante. Ah oui, j'ai pas cité ça, je suis désolée, madame. Je suis désolée. Oui, j'ai oublié les juges et tout. Monsieur le docteur, j'ai perdu ma fille dernièrement. La thérapie n'a rien donné. Le mal est toujours là. Juste. Ah, je suis vraiment désolée pour vous, monsieur Karim. Je sais pas comment est-ce que vous avez perdu votre fille. Est-ce qu'elle est... S'il est décédé, que son âme repose en paix, si c'est autre chose, je suis vraiment navrée. Mais je vous encourage à voir votre médecin généraliste et puis à demander des thérapies d'écoute. Peut-être vous devez même découvrir un peu votre enfant intérieur avec un psychiatre. Hein. Attention, j'oriente jamais les patients chez un psychologue ou chez un coach. Tous mes respects aux psychologues, mais les psychologues travaillent toujours en collaboration avec un psychiatre. Voilà comment ça se passe. Je suis médecin généraliste, pas psychologue. Monsieur Suleyman, je ne comprends pas qu'est-ce que vous avez dans le crâne. Je fais de la médecine générale. Quand quelqu'un a besoin d'une opération neurochirurgicale, c'est le médecin généraliste qui prépare le patient et qui appelle le médecin spécialiste pour faire une exploration spécialisée. Et on confie le patient au chirurgien. Pour moi, je pense que le psychiatre est un chirurgien émotionnel. Et du coup, c'est le médecin qui est le responsable de la première station sollicitée. Si vous avez un problème, si vous êtes jaloux, hein, ça me fait plaisir. On m'a bourré de et autres, mais la souffrance. Ah, d'accord, monsieur. Donc, vous avez bénéficié d'un traitement pharmacologique, mais vous avez senti que vous avez toujours ce problème. Alors, je vous conseille de revenir chez votre psychiatre. Hein. Ne changez pas de psychiatre. Vous allez lui dire, docteur, je veux parler. Je veux être écouté. Je veux parler. Ok. Je peux traiter votre cas d'une façon plus plus concentré, ok, si vous voulez, plus personnalisé, si vous voulez, pour vous faire plaisir. Il faut pas avoir peur de son médecin et il faut surtout pas mentir. Oui, madame. Nous, on comprend les mensonges, mais il y a des thérapeutes qui malheureusement ne comprennent pas. How to bring all the bad things? Oh my God. Bonsoir, Lala Lumna. Rebonsoir, Lala Nawal. Bonsoir, Sidi Mustapha, avec grand plaisir. Tous les plaisirs est à moi. C'était Dr Asma Amdouni. On a traité partiellement le problème, la science dans la chirurgie émotionnelle, c'est-à-dire la psychothérapie, qui doit être faite par des chirurgiens émotionnels, c'est-à-dire par des psychiatres. Et comme toute opération, le médecin généraliste est le premier sollicité ou l'urgentiste. Donc voilà ce que j'essaie de faire. Le psychothérapeute peut très bien contaminer les gens quand il n'est pas professionnel. Je parle des coachs et des gens qui font de la psychothérapie d'une façon très anarchique alors qu'ils ont un problème de confiance en soi. Je sais très bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de citer des choses réelles, authentiques, véridiques, concrètes que je vois dans ma pratique. Je suis pas en train de traiter des choses théoriques. Et en plus, j'ai surfé hein, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et dans 3 ans, je faisais de la recherche et je sais très bien ce que je suis en train de dire parce que j'étais là pour observer, d'accord? Les lives, les vidéos des coachs, je sais très bien ce que vous êtes en train de faire dans les lives, c'est du marketing. Je suis pas jalouse hein, parce que moi, j'ai jamais fait la médecine pour avoir de l'argent, mais honnêtement, je pense que le patient mérite le respect. Respecter un patient, c'est de ne pas le manipuler, ne pas
opérer son esprit, de ne pas lui faire une chirurgie émotionnelle si on n'est pas des chirurgiens émotionnels. C'est toujours un plaisir de vous suivre. Bonsoir, Madame Nano, vous êtes arrivée à la dernière minute, mais je vous promets d'enregistrer ça sur YouTube. Très bonne soirée.